Monsieur Lumumba, nous vous voyons parmi les manifestants. Quelle est votre motivation en ce moment? Nous sommes en train de manifester aujourd'hui parce que nous en avons marre avec la complicité. Nous en avons marre avec la complicité de la communauté internationale. Depuis plusieurs années, les Congolais sont en train d'être massacrés par les rebelles terroristes du Rwanda. C'est depuis d'ailleurs 2012, si vous vous souvenez bien. Mais la communauté internationale ne fait rien pratiquement. Ce ne sont que des déclarations qui sont stériles. Raison pour laquelle nous sommes en train de manifester aujourd'hui, finalement, on en a marre. Il y a beaucoup de sang qui ont coulé au Congo. Et les gens font comme si ce n'est pas leur problème. Alors que c'est un problème qui doit interpeller tout le monde. Voilà la raison pour laquelle nous sommes en train d'appeler la France, l'Angleterre, la Russie, la Chine, tous les pays membres du Conseil de sécurité, afin qu'ils puissent prendre une décision qui va aider les Congos. C'est anormal ce que nous sommes en train de vivre. Et les gens se taisent comme si tout allait bien. C'est anormal en fait. Et deuxièmement, nous sommes en train d'appeler tous les partenaires de la République démocratique du Congo ainsi que le gouvernement à pouvoir s'intéresser à la question des déplacés qui sont à Kanapchina et qui sont à Karen partout. Parce que l'Afrique, ils sont en train de traverser, c'est pas facile dans les cas de déplacés. Raison pour laquelle nous sommes en train de manifester aussi. Les procédures de Nairobi, les dialogues, vous pensez que ça. Le dialogue qui est en train de se passer maintenant, le mini sommet à Rwanda, nous sommes d'accord avec ça parce que les problèmes des Africains seront traités par les Africains. Et donc nous devons avoir un discours franc, un dialogue franc et sincère entre nous Africains. Parce que la solution ne viendra jamais d'ailleurs, même si nous avons des Ah, bien, mais on va taper la main.
Je peux avancer? Oui. Sors une seconde. Pas comme ça. Poupure, pure. Allez-y. Naïvita. C'est un mémorandum de la société civile Force Vive du Nord Kivu adressé à monsieur le secrétaire général des Nations Unies, à monsieur le président de la République démocratique du Congo, à l'ambassadeur des Nations Unies d'Amérique en RDC, à l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo, à l'ambassadeur de la Grande-Bretagne, c'est là où nous sommes, à l'ambassadeur de l'Allemagne, à l'ambassadeur de la Russie, à l'ambassadeur de la France en RDC, à monsieur le président de la SADC, à monsieur le secrétaire exécutif de la CIRGEL, à monsieur le président de l'EAC, à monsieur le président de l'Union africaine. Mettez urgemment fait à la guerre oubliée à l'est de la République démocratique du Congo. En 1996, la rébellion de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL en sigle, avec le soutien irréfutable du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi, sous la bénédiction de la communauté internationale, a vu le jour à l'est de la République du Zaïre et a mené la guerre jusqu'à la prise de la capitale Kinshasa le 17 mai 1997 sous l'égide de M. Laurent Désiré Kabila. Une autre rébellion dite de rectification s'est déduite de la première en date du 10 août 1998 pour commencer une nouvelle guerre sous le label du Rassemblement Congolais pour la Démocratie, en sigle RDC Goma,
sous la conduite de Maître Azarias Roubero Magno, avec le soutien des mêmes concepteurs moraux cités ci-haut. Après l'accord de Sun City en 2000, avec le fameux gouvernement de 1+4, la calmie s'est observée au pays jusqu'à aller aux premières élections de 2006. Après ces élections, une nouvelle rébellion dénommée Congrès national pour la défense du peuple, CNDP en sigle, sous l'égide du général autoproclamé Laurent Kunda, était née en 2007 avec l'accompagnement non discutable du Rwanda, pays dans lequel les mêmes commandants restent en cachette jusqu'à nos jours après la défaite militaire lui infligée par le FRDC. Après l'accord de paix de Goma de 2008, qui a consacré l'intégration et le mixage sans aucun contrôle préalable des éléments proposés par les groupes armés et a pris part au dit processus de paix à Goma, la rébellion dite mouvement du 23 mars est née en 2012 sous l'initiative du général Bosco Ntaganda avec l'accompagnement des mêmes parés rwandais. En novembre 2013, le M23, dirigé par le général autoproclamé Sultani Makenga, car les fondateurs venaient d'être livrés à la Cour pénale internationale, CPI, par sa hiérarchie rwandaise, a été vaincu militairement par le FRDC. Il s'est de rappeler que cette victoire du FRDC est venue après la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba, qui a cité nommément le Rwanda et l'Ouganda comme instigateurs de la violence armée à l'est de la République démocratique du Congo. En 2019, le M23 RDF est suscité de ses cendres de 2013 en provenance du pays qui ont accueilli ces combattants sans être inquiétés au mépris des accords de sécurité mutuelle entre la RDC et le Rwanda. D'abord, et l'Ouganda et la RDC conclut à travers l'accord cadre de Addis Abeba. L'histoire récente de toutes ces péripéties criminelles démontre qu'au passage des rébellions citées si haut en province du Nord Kivu comme épicentre, les crimes odieux sont enregistrés, à savoir destruction des écoles, suivi d'incendies des archives scolaires, des structures sanitaires, suivi d'incendies d'archives, de bureaux d'état civil et des centrales hydroélectriques. Organisation des crimes de masse, à l'instar de celui du marché de Mugogo, en groupement de Busanza dans le territoire de Rutshuru. Tuerie des leaders religieux, ceux de la société civile, des leaders communautaires, des grands commerçants, certains acteurs politiques influents et des notables. Incendie de villages et des véhicules transportant des personnes et des marchandises. Viol et recrutement d'enfants. Mise en place d'une politique d'opposer les communautés entre elles à l'est de la RDC. Enterrement dans des fosses communes contenant des milliers de Congolais tués innocemment. Eu égard à ce qui précède, nous recommandons, suite à ces fosses communes retrouvées chez nous, nous allons les citer quelques-unes par entité. En territoire de Rutshuru, nous avons la fosse commune de Pena, nous avons la fosse commune de Kabagara, Mugogo, Buchoko, Gatagara, Nyabire, Kinyamahura, Kiyamo, Nibitega, Musekera, Musereka, Karambi, Kazuba et Bukombo. En territoire de Nyiragongo, nous avons les fosses communes Siapre, Kalangala, Ngobera, Ruhunda, Kitotoma, Stade Rusayo, Mosquée Kibumba, Kabindi ya Kibumba, Hehu, Rulimba, Buramo, Kinogo, Murambi et Muri Mugezi. En territoire de Masisi, nous avons les fosses communes Siapre, Kalangala, Ngobera, Ruhunda. Non. En territoire de Masisi, nous avons Kanyundo, Kausa, Kasopo, Nyabiondo, Kaongole,
Kisuma, Tebero, Nyalipe, Nambi, pour ne citer que cela. En territoire de Lubero, nous avons comme fausse commune Kisaka, Miriki, Luhanga et Luofu, pour ne citer que cela. En territoire de Walikale, nous avons comme fausse commune Busurungi, Chalio, Kirundi, Kirundu, Tingitingi, Bunyakiri, Kabenga, pour ne citer que cela. En territoire de Beni, nous avons la fausse commune de Kiondo. En ville de Butembo, nous avons la fausse commune de Kikyo. Partant de fait élucidé Supra, il y a lieu de conclure que l'Est de la RDC en général et la province du Nord Kivu en particulier fait face à un plat ourdi et déjà en exécution pour occupation étrangère programmée et progressive qui vient de causer plus ou moins 10 millions de morts. La stratégie reste les tueries de masse, l'infiltration du système de défense et de sécurité et l'administration publique, la falsification de l'histoire des populations de l'Est par la mise en cendre des archives scolaires, hospitalières, des églises et celles de bureaux de l'état civil et l'achat des grands espaces dans les villages où les populations ont été tuées en masse et ou chassées par l'effet de la guerre. Devant cette extermination silencieuse des populations de l'Est, de la République démocratique du Congo en général et celle du Nord Kivu en particulier, l'on honte le silence coupable et complice de la communauté internationale dans son ensemble, pourtant présente sur terrain, mais laisse faire et parfois clame son impuissance devant certains crimes dont sont victimes les populations congolaises et venant de rébellions et bandes criminelles pilotées par les Rwandais pour la finalité si haut évoquée. Cet aspect est corroboré par les données les plus récentes des combats sur terrain entre le FRDC et le M23 RDF en territoire de Rutshuru et prouve que le militaire rwandais avait été capturé vif, parmi lesquels, à titre d'illustration, M. Kundabagenzi Élisée avec la carte militaire rwandaise numéro 011 83 92 300 et la carte militaire des Nations Unies émise en date du 31 mars 2020 et qui était en mission des Nations Unies au Darfour dans le Sud-Soudan. S'est retrouvé sur le théâtre de combat à Biruma dans le groupement Kisigari à environ 30 km de la frontière avec le Rwanda après une frappe de feu subie de la part des FRDC non loin du camp militaire de Rumangabo. Devant ces évidences, une agression injuste et injustifiée du Rwanda, ses complices et le silence de la communauté internationale, les populations de l'Est, de la RDC en général et celles du Nord Kivu en particulier, ne cesseront pas à battre pour toujours et se rangent en ordre utile pour faire face à cette menace et prêtes à repousser jusque là où elle est venue. Toutes les conséquences qui en découleront reposeront sur les épaules de la communauté internationale, parce que nous sommes en train de dire que cette communauté internationale est complice, si pas cette complicité, et il y a aussi une ambiguïté de la part de cette communauté internationale. Ainsi, nous exigeons à la communauté internationale dans son ensemble de demander au chef d'État rwandais et de l'Ouganda de retirer urgemment leurs combattants camouflés sous les labels du M23 RDF UPDF. Sanctionner les Rwandais et l'Ouganda pour l'agression de la RDC pendant plus de 25 ans. Créer un tribunal spécial sur l'Est de la République démocratique du Congo pour juger les acteurs des crimes atroces commis de 1996 à nos jours. Nous exigeons aussi au Rwanda de dialoguer avec les FDLR, l'Ouganda de dialoguer avec les ADF et le Burundi de dialoguer avec les Red Tabara. C'est comme un seul homme pour poser des actions pacifiques visant à demander à la communauté internationale à résoudre la question de la crise sécuritaire
de la crise sécuritaire qu'elle vient de laisser germer à l'est de la RDC pendant plus de 25 ans. Nous demandons aussi à notre population de soutenir et d'accompagner les FRDC dans la guerre contre les agresseurs. Ainsi, nous vous remercions. Que vive la République démocratique du Congo et son peuple. Ainsi fait à Goma le 22 novembre 2022. Transmettre ce message à l'ambassadeur de la Grande-Bretagne à la République démocratique du Congo, parce que c'est bien lui qui joue la politique de son pays dans notre pays. Nous avons causé avec le chef du bureau, Madame Nathalie, elle nous a dit qu'elles sont en congé, et tous les membres du consulat sont en congé, et on nous a dit que vous allez réceptionner ces mémorandums pour les transférer à qui de vous. Merci. Au plaisir. Juste pour vous présenter le consulat britannique, auprès desquels vous êtes venus déposer le nom de l'homme que je tiens entre mes mains. Et comme je viens de dire tantôt, le mémo sera transmis au bureau du consulat de Goma, qui est présentement en vacances, comme vient de le dire le président tantôt. Et c'est comme ça que je tenais à vous remercier et à vous rassurer que le mémo est bien arrivé, bel et bien, et ça sera transmis à qui de droit. Et pensez-vous que c'est que la société civile vous reproche est valable? Bon, je dirais, je ne suis pas là pour répondre au nom de du consulat, parce que je ne suis pas du consulat. Comme je vous l'ai dit, j'ai réceptionné le mémo et je vais transmettre à qui de droit. Et c'est à eux de revenir après auprès de la société civile pour donner leur avis. Je vous en prie. Quelles que soient les conditions, ils sont sur le terrain en train de se battre et la politique gouvernementale est mobilisée et nous demandons à tous les gens d'être calmes, de relancer ce que nous appelons aussi la solidarité spontanée pour toutes ces populations qui sont venues de Rutshuru, de Nyiragongo, la solidarité spontanée au même moment que nous encourageons nos forces à mettre hors d'état de nuire tous les groupes armés qui sont en train de se battre, le M23, les groupes terroristes qui sont en train d'assurer le terrorisme dans les territoires de Rutshuru et qui affectent directement la vie dans la ville de Goma. Nous demandons à tout le monde d'être serein, d'être vigilant, d'annoncer s'il y a des cas de suspects auprès de la police, auprès des agents de la sécurité, pour que nous puissions bien gérer cette guerre. Donc soyons calmes, soyons vigilants dans la ville de Goma. La force de l'EAC avait évoqué la protection de l'aéroport international de Goma. Est-ce que cela sous-entend une menace directe de la ville? Ça ne sous-entend pas une menace, mais nous avons eu tant de missions ici, tant de forces, tant de coalitions, et la population en a marre. On a vu beaucoup de pays déployer leurs forces ici. La MONUSCO est là, les États-Unis, les Kenyans avant, l'Ouganda est là. Nous pensons que c'est trop. Et que nous pensons que toutes ces missions sont inutiles. Nous demandons au gouvernement de renforcer l'armée, de rajeunir l'armée. Et que cette diplomatie qui ne produit pas, nous voulons qu'elle soit boutée dehors. Nous voulons la paix, rien que la paix. Et nous allons faire sortir par les voies civiles, par les voies de guerre, et tous ces rebelles qui sèment la terreur dans les territoires de Rutshuru et partout ailleurs. Nous avons toujours snobé ce genre de dialogue. Nous avons toujours dit que ces dialogues sont des messes noires contre le pays. Parce que tous ceux qui y siègent sont des pays qui ont des intérêts au Congo et qui profitent de toutes les rébellions et crimes qui sont commis au Congo. Donc nous avions même interdit notre chef de l'État de ne pas participer à ce sommet-là parce que c'était une messe des hypocrites vis-à-vis de la situation du Congo. Imaginez-vous ces régions-là ont organisé combien de sommets sur le Congo, mais qui n'ont pas apporté de solution. Je crois que nous devons en tout cas rentrer chez nous, nous organiser chez nous pour faire face à la menace, allier place de perdre l'État dans des sommets où se racontent les hypocrites agresseurs du pays.